Votre principal défaut, Stomy. Quand t'es acteur, enfin quand vous êtes acteur, vous avez un autre comportement que quand vous êtes chanteur. Si on fait partie on est les pièces d'une machine, d'une grosse machine. C'est un ensemble tout, donc tu peux pas venir faire ton zouave comme ça parce que derrière il y a du travail tout ça. Oula. Attention. Ah ouais, les acteurs c'est ça. Moi je sais pas, j'ai jamais été acteur, mais si j'étais acteur par exemple, je devrais me la péter un peu comme ça quoi. Non, je sais pas moi. Je veux dire, quand t'es chanteur, t'es cool. Non, tu comprends ce que je veux dire. Hein? Je sais que tu comprends ce que je veux dire. Non, mais si vous voulez qu'on la joue prise de tête, je vais vous faire une interview prise de tête, alors vous allez voir. Vous connaissez l'histoire? On ne bouge pas pendant le jingle. Bien. Alors, ben justement, donc, comme vous êtes acteur, on va vous faire le questionnaire de Proust. Normal, hein? On se la pète ou on se la pète pas. Pour vous, Stomy Bugsy, c'est quoi le comble de la misère? De la misère? De la galère, si vous voulez. De ne pas pouvoir nourrir ses enfants. Ouais. Mmh. Et vous? De jamais pouvoir en sortir. Ouais. Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence? Ça vous apprendra. Le mensonge, peut-être, je sais pas. Le mensonge, ouais. Et vous? Ouais, pareil. Mensonge. Quel est votre personnage historique favori? L'un ou l'autre? Malcolm X ou Martin Luther King? Ouais. Moi, je dirais Ben Bella. Ouais. Votre peintre favori? En tout cas, c'est les impressionnistes, peut-être Cézanne ou... Ouais. Ouais. Moi, j'y connais rien, moi. La qualité que vous préférez chez l'homme? La qualité? Le courage. Et vous? Là, je suis pareil aussi, hein. Non, moi, j'ai pas pareil. Non, pas pareil, pas de courage, non. Je sais pas, les qualités que je préfère chez l'homme... Aucune. Moi, Et chez la femme, ça peut vous inspirer, peut-être? C'est la sensibilité, peut-être. Mmh. Et vous, Stomy? La fidélité. Non, non, on parlait de la il femme. Il l'a pas dit pour l'homme, il l'a dit pour la femme, seulement. Qui auriez-vous aimé être si vous n'étiez pas Stomy Bugsy? Qui, par exemple? Je sais pas, soit Amilcar Cabral, le libérateur du Cap-Vert, ou soit Al Pacino. Al Pacino. Et vous? Moi, personne, ouais. Franchement, ah ouais, non. Vous l'êtes, vous? Ouais, je suis bien, moi, dans moi-même, je suis très bien. Votre principal défaut? Il y en a plein, non, il y en a plein. Il y en a donc, plein, bien ouais, sûr, c'est pour ça que c'est compliqué. Il y a plein de défauts. Je sais pas. Vas-y, réponds d'abord, vas-y, je cherche un peu. Moi, mon principal défaut, c'est que je pense que je relativise beaucoup trop. Ça m'empêche d'être vraiment content, quoi. Ah oui. Ouais. Vous êtes d'un naturel un peu sombre? Non, pas sombre, justement, non. Je suis très drôle, normalement. Mais... Si, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Non, c'est, sincèrement, je suis très drôle. Ouais. Normalement, j'aime rire, mais je relativise beaucoup et ça m'empêche de vivre pleinement ce que je fais, quoi. Votre principal défaut, Stomy? Bah, je sais pas, non, je sais pas. T'en as tellement, c'est fastoche, putain, 10 ans, hein. Ouais, mais le... T'es gourmand, t'es paresseux, t'es coureur, t'es... Non. C'est peut-être arriver en retard, non, je sais pas, non, je sais pas, franchement, je sais pas. C'est pas un défaut, ça, c'est l'heure qui a changé. Le don de la nature que vous voudriez avoir, et que vous n'avez pas. Voler. Voler. Ouais. Vous l'avez déjà fait en même temps. Oh, des questions... Ah bah attends, si tu la joues acteur, moi je te la joue au Marcel Proust, hein, c'est clair. Ça t'apprendra. T'inquiète pas, je vais revenir l'an prochain pour un album ou un truc. Avant? Je vais foutre la merde ici. Votre devise, Yazid? On n'a rien sans rien. Ouais. Et vous? Baise la vie, sinon elle te baisera. Oula. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.